Bonjour. On a inversé parce que vous allez voir, il y a une cohérence en fait entre le projet Alternativa et le projet Synergie numérique. Donc Alternativa, vous devez connaître, c'est un collectif citoyen qui a pour ambition de promouvoir et fédérer les différentes alternatives pour la transition écologique, climatique et citoyenne. Donc aujourd'hui, Alternativa a fait un constat qu'on vous a déjà présenté, c'est que les alternatives fleurissent sur le territoire. Et on a de plus en plus de cartographies qui sont créées sur Internet pour pouvoir identifier justement ces alternatives. Alternativa, en fait, s'est dit qu'il pourrait être intéressant de relier et fédérer ces alternatives au sein d'une plateforme numérique sur le web pour pouvoir justement rendre interopérables et partager les informations que chacun des collectifs, des associations mettent à disposition. Pour créer ce projet, on a différents axes de travail. Un axe de travail technologique dont vous parlera justement Simon avec Synergie numérique, et un axe de travail qu'on pourrait appeler plutôt social, qui est justement de pouvoir mettre en lien ces différents acteurs de la transition. Alors comment on va les mettre en lien? On va les mettre en lien en définissant une charte commune. Qu'est-ce qu'une alternative? Comment on la partage? Comment on l'identifie? Comment on la décrit? Et de définir la gouvernance qui va pouvoir permettre justement à ces collectifs d'avoir une plateforme commune et partagée. Alors on travaille avec d'autres acteurs sur ce projet, des acteurs technologiques, mais également des acteurs de la transition qui ont commencé à constituer un écosystème, tel que CAP ou pas CAP, vous en avez, qui a été présenté juste avant. On a aussi les Amis de la Terre, Collectif Coalition Climat, etc.